Salut les castagneurs, c'est Joker, petite vidéo sur Blitzball aujourd'hui pour vous faire le petit matériel de base avec vos cartes prêtes à jouer et à imprimer. Sachez que les fichiers que je vous mets en lien dans la vidéo, ce sont des fichiers qui sont tirés du site Lutèce Cup qui ont traduit de manière exceptionnelle les cartes en français. Il y a juste le petit fichier de trad que j'ai fait avec Penly, merci à lui d'ailleurs, dans le groupe. Qui précise justement un peu les différentes phases, etc. Un récap condensé en français pour ce Blitzball numéro 2. Donc vous voyez, une plastifieuse, une imprimante, on print tout ça, on plastifie, etc. Le tout en vidéo, et vous serez prêt pour des matchs endiablés de Blitzball. Let's go! Alors du coup, pour commencer, matériel de base, un bon petit scalpel des familles, ça vous aidera avec une réglette pour vous permettre de découper toutes vos petites fiches que vous aurez imprimées. Pour rappel, vous avez le lien direct en vidéo pour avoir toutes les cartes de défi, d'équipe, défi final et ballon. Là, vous voyez sur le côté gauche des cartes déjà faites. On sera sur un format comme celui-là, une fois découpé. On pourra arrondir les angles avec une petite bécane comme celle-ci. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous fait des coins un peu plus propres que l'angle à 90 qui sort une fois que vous coupez le scalpel de base. Donc voilà pour ça. Maintenant, au boulot, découpons ça délicatement. Une par une, en commençant par les panneaux de joueurs. Allez, du coup, on enchaîne avec les cartes de défi et de défi final. Alors là, c'est simple, il y en a toujours une et l'autre, il faut couper les deux, donc laisser la rouge et la verte ensemble pour les actions bonus et les actions défi. Donc là, vous voyez, je déligne d'abord mon cadre, vous faites comme bon vous semble, bien sûr. Moi, je commence d'abord par ça. Hop. Ça vous fait une belle pile de corbeilles de papier à la fin, quand même. Mais bon, quand on aime. Hop. Tac. Le dernier bord. On va aller recouper. Hop. Et du coup, on attaque l'étape fatidique. Donc, l'astuce, c'est de donner un léger trait de scalpel là, entre les deux cartes, afin de pouvoir plier les deux ensemble et ne pas avoir à coller l'une carte sur l'autre, puisqu'une fois que vous aurez plié les deux, vous pourrez facilement les coller, enfin les passer à la plastifieuse sans avoir à coller le dos des cartes entre elles. Et puis l'avantage avec ce fichier là que j'ai composé, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder quelle carte va avec quelle carte. La carte d'action bonus va forcément avec la carte de défi qui est à côté d'elle ou de défi final. Donc là, hop, on entaille encore les dernières et ça vous donnera le résultat final.
un bon petit plateau pour éviter d'en mettre partout. Et on attaque le côté pour arrondir tous les coins de toutes les cartes. Pour la plastifieuse, je vous conseille de prendre des films plastiques avec le maximum de microns possible qui passent bien sûr dans votre plastifieuse. C'est simple, plus votre papier sera épais, plus votre carte sera rigide. Donc là, après, vous faites avec les moyens du bord. Moi, j'ai pris des pochettes à plastifier toutes simples. Maintenant, libre à vous de prendre celles que vous souhaitez. Après, vous avez la disposition des cartes. Donc là, je commence avec les cartes de ballon. C'est tout simple. Quand vous les mettez dans vos fiches, calez-les bien dans l'angle de la pochette, dans le coin. Voilà, on relève un peu la feuille et on dispose petit à petit les cartes les unes après les autres en dépliant le film pour les recouvrir afin qu'elles ne s'échappent pas à droite à gauche. Vous verrez. Par moment, vous aurez peut-être les cartes qui vont se décaler, donc laissez un peu de jeu, faites avancer le film comme sur la vidéo. Après, vous verrez, il n'y a absolument rien de compliqué là-dessus. Vous disposez vos cartes et après, c'est parti pour la plastification une fois qu'on aura préparé nos différents calques de plastifieuse. Hop. La dernière en place. Là, on recouvre le tout en vérifiant que rien ne bouge. Hop, et on replace un peu. Et voilà, du coup, ma feuille, elle est prête. Il n'y a plus qu'à faire pareil avec tout le reste. Le côté plastification, je vous conseille de prendre des livres pour caler un peu le niveau d'entrée de votre plastifieuse à l'entrée et à la sortie pour éviter que votre papier justement ne gondole avec le poids. Donc vous réglez un peu quelque chose qui soit de niveau et ensuite c'est parti. C'est une plastifieuse classique, on va le faire en rapide. Place au découpage. Alors généralement dans les kits de plastifieuse vous aurez une petite réglette comme celle-là pour pouvoir découper vos cartes. Donc l'astuce c'est de pouvoir bien placer vos cartes justement au moment où vous les mettez dans les pochettes avant de plastifier. Comme ça vous pourrez vous donner un coup de trait, tac, vous voyez, pour pouvoir retirer l'excédent. Taillez vos cartes en gros, ensuite les séparer en deux. Donc moi je fais tout avec cette machine. Une fois que vous maîtrisez un peu, vous savez quelle marge il faut que vous laissiez avant de pouvoir découper. Donc là, c'est place à l'atelier découpage pour l'ensemble des cartes qu'on vient de plastifier. Et ben voilà, du coup, nos petites cartes de ballon. Une fois tout découpé, plastifié proprement, nos cartes, hop, de joueurs
avec toutes nos teams de base et ajouter les teams un peu fan-made qui existent à droite à gauche sur les différents groupes de Blitzball. On a ensuite nos cartes de défi classique avec au verso les actions bonus une fois que vous les scorez. Et enfin, notre dernière pile, ça va être la pile de défi final. Donc là, pareil, vous avez aussi le côté défi final et de l'autre côté, au verso, les actions bonus pour ces dernières. Voilà, une fois tout ça fait, ça prend pas beaucoup de temps et ça vous permet de jouer simplement sur le terrain. Prêt pour la castagne, on y va. Donc voilà pour le résultat final. Donc vous voyez, vous aurez vos petites cartes de défi final, les ballons, les cartes de défi normaux, les cartes de joueurs et bien sûr une bible du rulebook de la saison 2 avec un petit gabarit de passe bien sûr pour pouvoir faire vos différents. Du coup, mon cher castagneur, tu es prêt à affronter les fracas de la mêlée dans ce Blitzball exceptionnel. Je t'invite à voir très prochainement une vidéo sur la fabrication d'un terrain numéro 2, où je vais un peu plus dans le détail, notamment au niveau de la peinture, comme ça a été demandé un peu dans les commentaires. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à partager, commenter, liker la vidéo, etc. Et puis je te dis à très bientôt. A plus les castagneurs. Ciao, ciao.